Bonjour à tous, on est très content d'être avec vous cet après-midi pour cette première keynote du WinDev Tour 26. Je suis Jérôme. Bonjour, c'est Manu, moi aussi je suis très content d'être avec vous. Vous allez voir, on a plein de choses à vous montrer. Et bonjour, moi c'est Marc. Bienvenue à tous pour cette édition spéciale du WinDev Tour. Alors pendant ces trois keynotes de 45 minutes, on va vous montrer les principales nouveautés de WinDev, WebDev et WinDev Mobile 26. Alors dans cette première session, on va se concentrer sur les nouveautés pour vos applications. Vos applications Windows, vos applis web et vos applis mobiles. Et on finira par une nouveauté exceptionnelle de la version 26, c'est l'OCR intégré. J'espère que vous êtes prêts, il est 14h01, on est en direct avec vous pour 45 minutes. Et c'est parti pour cette première session. Alors tout de suite, je vous propose de découvrir des nouveautés d'UI et des nouveautés d'UX que vous allez pouvoir intégrer facilement dans vos applications WinDev. Pour vous les présenter, je vais utiliser cette application. C'est le ERP d'une société internationale de transport de colis et c'est une application WinDev 26. Dans toutes les sociétés, il y a besoin de statistiques et donc de graphes. Et vous le savez, le champ graphe, c'est un champ standard de WinDev. WinDev vous offre 34 types de graphes. Dans la version 26, vous avez un nouveau type de graphe. C'est le graphe zone d'intervalle. Vous le voyez ici en violet, au centre. Le graphe zone d'intervalle permet de représenter une variation entre une valeur haute et une valeur basse sur un intervalle de temps. Ici, on a représenté le nombre de colis traités par le centre de Paris. Les données sont affichées par tranche horaire et représentent le min et le max sur une semaine. Alors sur ce nouveau graphe, comme sur tous les graphes de WinDev, vos utilisateurs bénéficient de la mire automatique. Avec la mire automatique du champ graphe, eh bien on voit qu'entre 13h et 14h, on traite entre 56 000 et 73 000 colis en fonction des jours. Le nouveau graphe zone d'intervalle vous permet de visualiser facilement des amplitudes de données. Toujours sur les graphes, un des graphes que vous utilisez le plus, c'est l'histogramme. En version 26, vous allez adorer les nouveaux libellés verticaux comme ici. La lecture de vos histogrammes est facilitée. Toujours sur les graphes, une petite nouveauté, en version 26, vous pouvez maintenant choisir le style de quadrillage. Continu, pointillé, alterné, vous avez le choix, c'est sympa. Regardez maintenant la barre de titre de cette fenêtre. Vous le voyez, il y a des champs jusque dans la barre de titre. C'est un type de présentation qui est à la mode et bien pratique. Et bien en version 26, placer des champs et des menus dans la barre de titre, c'est facile. Aussi facile que dans le reste de la fenêtre, tous les types de champs. Oui, alors tous les types de champs qui rentrent en hauteur, bien sûr. Et en plus, ça fait gagner de la place dans la fenêtre. Alors ici, on a mis les boutons des volets du ruban directement dans la barre de titre. Et on a mis aussi un champ de recherche pour rechercher dans toute l'application et aussi un bouton pour changer la langue. Tiens, vite fait, je vous montre deux autres exemples de fenêtres avec des champs dans la barre de titre. Donc ici, dans cette fenêtre, j'ai mis un menu classique dans la barre de titre. Vous voyez ici. Dans cette autre fenêtre, j'ai mis des icônes en haut à gauche et également un menu burger en haut à droite de la fenêtre. En fait, vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant, je vous montre comment la version 26 rend tout le monde heureux. À gauche, vous le voyez, j'ai un champ de saisie numéro de colis, permet de rechercher un colis. Ce champ, il est très utilisé par le service assistance. Par contre, le service client, il fait des recherches par numéro de compte, en utilisant l'autre champ qui est juste en dessous. Alors, bien sûr, chacun des deux services veut que ça soit son champ qui soit en saisie par défaut, dès l'ouverture de la fenêtre. Alors, comment on fait ? En version 26, rien n'a programmé. C'est l'utilisateur qui choisit lui-même. C'est une nouvelle FAA. On se place sur le champ désiré et clique droit, définir comme premier champ. Et c'est tout. Maintenant, à l'ouverture de la fenêtre, c'est ce champ qui aura le focus en premier. Et donc, tous les utilisateurs sont forcément contents parce que c'est eux qui choisissent. Ah, les FAA, les fonctionnalités automatiques des applications. Je ne sais pas comment vos utilisateurs pourraient s'en passer. Et pourtant, je suis prêt à parier que vos utilisateurs ne les connaissent pas toutes. Eh bien, pour les aider à les découvrir, les applications WinDev 26 proposent aux utilisateurs finaux des petites vidéos sur les FAA les plus utiles. Ça aide les utilisateurs à découvrir les FAA et donc à être encore plus efficaces dans l'utilisation du magnifique logiciel que vous avez créé pour eux. Vos utilisateurs sont plus productifs, ils ajoutent les raccourcis et les automatismes qu'ils veulent, ils adaptent eux-mêmes leurs applications à leurs besoins. Et on le sait tous, quand l'utilisateur s'approprie son application, il sollicite moins le helpdesk et il est plus fidèle. Allez, autre fenêtre, autre nouveauté, les nouveautés du champ carte. Parce que lui aussi, il a bien évolué en version 26.
Alors ici, le champ carte affiche les points de collecte. Vous savez, les endroits où les clients peuvent déposer ou retirer le colis. Oula, il y en a beaucoup là. J'arrive même pas à distinguer le Liechtenstein. Alors c'est vrai, mais regarde le mode regroupant. Le mode regroupant, c'est une nouvelle propriété des marqueurs. Quand le développeur l'active, le champ carte rassemble automatiquement dans une seule pastille les marqueurs qui sont trop proches pour être lisibles. Et dans la pastille, il y a le nombre de marqueurs regroupés. C'est ce qu'on appelle un cluster. Ouais, il paraît que c'est à la mode en ce moment, les clusters. Et bien sûr, les clusters sont dynamiques en fonction du zoom. Tiens Marc, zoom sur la pastille de Vichy. Vous le voyez, quand on zoome, les clusters se recalculent automatiquement. Alors ici, les marqueurs peuvent être affichés lisiblement, donc le champ carte décompose le cluster. Le regroupement en cluster en version 26, c'est automatique. Il suffit de l'activer. Allez, on continue. Quand je clique sur un marqueur d'un point de collecte, l'application affiche une pop-up qui donne les horaires d'ouverture de l'agence. Alors cette pop-up, elle est affichée avec la nouvelle fonction WLangage, carte affiche pop-up de la version 26. Pour vous, c'est une fenêtre interne, donc vous affichez absolument ce que vous voulez. Et si l'utilisateur se déplace dans la carte, vous le voyez, la pop-up, elle reste accrochée au marqueur. Allons continuer sur le champ carte. Au lieu d'afficher les points de collecte, j'affiche maintenant les centres de tri. Et vous voyez une autre nouveauté. En version 26, vous pouvez dessiner des formes géométriques sur vos cartes. Des lignes, des cercles, des rectangles, même des polygones. Ici, on a utilisé des polygones pour matérialiser les secteurs de distribution de chaque centre de tri. Et à programmer, c'est super facile avec le nouveau type carte polygone et la nouvelle fonction WLangage, carte ajoute forme. Alors regardez maintenant, je zoome sur le centre de tri de Barcelone. À partir d'un certain niveau de zoom, l'application affiche le plan intérieur du bâtiment par-dessus la carte. Ça vous permet de mixer un champ carte avec des images spécifiques à votre application. Et pour faire ça, c'est facile, j'ai utilisé une nouveauté du champ carte. En version 26, il est possible d'ajouter des images sur une carte. Ça se fait avec la nouvelle fonction, je vous le donne Emile, carte ajoute image. Autre nouveauté du champ carte de la version 26, il peut afficher le trafic routier en temps réel. Directement dans vos applications, l'utilisateur final voit où ça bouchonne et où ça roule, comme ici. Ah ce champ carte, il est sacrément balèze. Hein. Et c'est tout? Non, il y en a encore plus. Mais tiens, d'ailleurs, toi Manu, toi tu préfères les applis en thème sombre, non? Oui, c'est vrai que quand c'est sombre, souvent ça fatigue moins les yeux. Regarde, je ferme les yeux, c'est tout noir, ça repose. Eh bien regarde, en version 26, l'utilisateur il peut changer le thème d'affichage de la carte. Clair, sombre, gris, comme ça chacun affiche sa carte comme il préfère. Avec la version 26, vos applications affichent des plans à la carte. Alors pour continuer avec d'autres nouveautés, dans cette application, j'ouvre la fenêtre de création de compte client. Je saisis les infos d'un client. Manu, Montpellier, je valide. Ah zut, j'ai oublié le nom de famille. Ouais, on n'a pas oublié que ça, Jérôme. On a oublié l'email, le téléphone, l'adresse, tout ça, tout ça. Alors bien sûr, l'application me signale tous les champs obligatoires que j'ai oublié de remplir. Et c'est nouveau en version 26, la saisie obligatoire n'est plus bloquante. Et les champs obligatoires non saisis sont automatiquement mis en évidence. Alors ici, l'application affiche un liseré rouge autour des champs non renseignés. Alors le liseré rouge, c'est une des possibilités. Regardez, voilà 5 autres exemples de tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir de changer le fond, le cadre, d'ajouter un texte au-dessus du champ, etc. Et comme je viens de le dire, l'utilisateur peut sortir du champ, même si la saisie est obligatoire. Je répète, l'utilisateur peut sortir du champ. Et pour faire tout ça, c'est une fonction. C'est la nouvelle fonction WLangage saisie invalide détecte. Cette fonction, elle vérifie que tous les champs en saisie obligatoire ont bien été renseignés et qu'ils respectent tous leur masque de saisie. Et si ce n'est pas le cas, elle met en évidence tous les champs non remplis ou mal remplis et elle redonne le focus au premier champ en erreur. Cette fonction, c'est des dizaines de lignes de code économisées. On continue avec une autre nouveauté. Tiens, je ferme et je réouvre la fenêtre. Dans l'adresse email, je saisis manu@precilia.fr. Mais regardez, si j'oublie de saisir le point avant le fr, le champ est intelligent. Si la saisie ne respecte pas le masque, Windev me l'indique visuellement. Et ça, c'est automatique. Il suffit d'avoir choisi un masque de saisie pour le champ. Au passage, regardez quand je survole le champ de saisie de l'email. Vous découvrez la nouvelle bulle d'aide de la version 26. En version 26, les bulles d'aide sont complètement personnalisables. Couleur, forme, flèche, marge, police, vous faites ce que vous voulez. Et Windev 26 vous offre en standard 10 modèles de bulles d'aide super stylés. Allez, je change de fenêtre pour voir d'autres nouveautés. Regardez
les champs de saisie dans cette fenêtre. Les libellés sont cadrés à gauche. Du coup, comme le libellé numéro inscrit en bas de la carte d'identité est très long, bah, ça rend la lecture difficile pour les autres libellés. L'utilisateur risque de se tromper de ligne. Et bien en version 26, vous pouvez maintenant demander à cadrer le libellé d'un champ de saisie à droite. Alors, déjà comme ça, bah, c'est pratique. Et quand vous développez des applications multilingues, c'est super pratique. Parce que Correo Electronico, en espagnol, eh ben c'est vachement plus long que email en anglais. Pour voir d'autres nouveautés, je recherche un colis. Je tape le numéro de suivi. Je clique sur « Rechercher », la fenêtre de tracking s'affiche. Alors, en haut de la fenêtre, un ruban permet d'accéder à toutes les actions et aux options d'affichage. Et regardez, en version 26, c'est nouveau, l'utilisateur peut détacher un volet du ruban. Très pratique pour garder toujours à portée les options qu'on utilise souvent. Par exemple, ici, l'utilisateur peut détacher le volet affichage. Comme ça, il a accès en permanence aux options de tri et de filtre. Dans le ruban, l'utilisateur peut aussi filtrer les étapes de traitement d'un colis. Alors pour cela, il peut utiliser ce champ. C'est une combo avec interrupteur. Il coche les étapes qui l'intéressent et la table adapte son affichage. Et cette combo avec interrupteur, c'est un des nouveaux champs métiers de la 26. Vous aussi, vous en bénéficiez dans vos applications. Vous le prenez, vous le posez dans votre fenêtre et il est immédiatement utilisable. Les champs métiers, c'est du temps de gagner dans le design et la mise au point de vos UI. Vous n'avez pas à les coder, vous gagnez du temps. Vous n'avez pas à les débugger, vous gagnez du temps. Tiens, je profite qu'il y ait un champ table dans cette fenêtre. Une info au passage, en version 26, le remplissage d'un champ table depuis une structure mémoire est 50% plus rapide. C'est toujours appréciable. Et une autre nouveauté du champ table de la version 26, quand l'utilisateur double-clique sur une rupture, celle-ci s'enroule automatiquement. Ou elle se déroule si elle était enroulée, bien sûr. Plus besoin de le programmer. Je reviens maintenant au tableau de bord pour voir d'autres nouveautés. Alors, j'affiche les statistiques financières. Cette fenêtre, elle affiche le chiffre d'affaires de la société par pays, par agence et dans le temps. Par exemple, en janvier 2020, je vois directement que le chiffre d'affaires de l'agence de Bruxelles est de 6 624 355 euros. Toutes ces données, elles sont affichées dans un champ TCD, un tableau croisé dynamique, un cube rollap. Le TCD, le cube rollap, vous le connaissez tous, hein, c'est un champ standard de Windev. Vous n'avez pas le codé, vous n'avez pas acheté des modules complémentaires. Le champ TCD, vous le reliez à vos données et il fait tout, tout seul. Les calculs, la présentation, les regroupements, tout. Toutes vos applications Windev peuvent afficher des TCD. Alors, faites plaisir à vos décideurs, mettez des TCD dans vos applications. Allez-y. Et en plus, en version 26, le TCD évolue encore et s'enrichit de deux nouveautés. La première, l'affichage est plus lisible. Les titres longs passent automatiquement à la ligne pour éviter les colonnes trop larges. On le voit ici sur Saint-Sébastien. Et puis, vous le savez, le TCD permet de comparer automatiquement les données affichées entre deux périodes. Eh bien, deuxième nouveauté en version 26, en plus des autres choix, l'utilisateur peut comparer automatiquement les données entre deux années. Toujours dans cette fenêtre, l'utilisateur peut visualiser le rapport financier de l'année précédente. Alors, ce rapport, il est au format PDF. Il est affiché directement dans l'application grâce au champ lecteur PDF de Windev. Et oui, vous le savez, vos applications Windev, elles affichent en standard des documents PDF. Et en version 26, le champ lecteur PDF évolue lui aussi. Par exemple, l'utilisateur final peut maintenant extraire des pages du document et les enregistrer dans un document indépendant. Allez, on continue. Je reviens à la fenêtre principale. La société ColiRocket, elle envoie des échantillons d'emballage à ses clients qui le demandent. Pour accompagner ces échantillons, l'application prépare un courrier d'accompagnement que l'utilisateur peut personnaliser. Et pour personnaliser le courrier, vous vous en doutez, l'application utilise le champ traitement de texte de Windev. Alors ce champ, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un traitement de texte qui est compatible avec Word et que vous intégrez directement dans vos applications. Et en version 26, lui aussi, il évolue. Il propose par exemple un mode d'affichage continu. Dans ce mode, les entêtes et les pieds de page sont masqués et il n'y a pas de séparation entre les pages. Ça rend la lecture d'un long document beaucoup plus agréable. Alors pour passer dans ce mode, c'est comme dans Word, l'utilisateur double-clique entre deux pages. Parmi les autres nouveautés du traitement de texte en version 26, vous avez également le dictionnaire espagnol qui est livré en standard. Le champ traitement de texte, c'est un champ bureautique. Alors vous le savez, dans Windev, il y a plusieurs champs bureautiques. Donc ça, c'est le traitement de texte. On a vu le lecteur PDF juste avant. Il y a aussi le champ tableur, compatible avec Excel.
et aussi le champ éditeur d'image. Tous ces champs bureautiques, ils sont livrés en standard. Vous les mettez dans vos applis et bingo, vous gagnez sur tous les tableaux. Et dans cette application, vous l'avez peut-être remarqué, l'utilisateur final n'attend jamais. Alors pour cela, cette application elle utilise une autre belle nouveauté de la version 26. Les requêtes HFSQL asynchrones. Avec les requêtes asynchrones, fini les sabliers. Ces requêtes asynchrones, d'ailleurs, on va revenir dessus dans quelques minutes. Et voilà, en moins de 15 minutes, vous venez de découvrir 26 nouveautés de la version 26. 26 nouveautés qui vont enrichir vos applications, qui vont vous faire gagner du temps, qui vont faire plaisir à vos utilisateurs, à vos clients, et qui vont les rendre plus efficaces. La version 26 de WinDev, c'est une version incroyablement riche. C'est une version incontournable. La version 26, vous allez l'adorer. Parlons maintenant de la version 26 de WebDev et des superbes nouveautés que vous allez intégrer dans vos sites. Et si vous n'utilisez pas encore WebDev, eh bien c'est l'occasion de voir comment il a évolué. Je lance un site pour vous les présenter. Alors, c'est un site de vente de lunettes de soleil. J'ai ici un catalogue produit et il y a du choix. Les deuxièmes, les Ray-Ban de chez Paco. J'aime bien moi. Tu peux me les commander, Marc, s'il te plaît ? Ok. Je clique sur le bouton « Acheter ». Le site m'affiche une pop-up. T'en veux combien, Manu ? Attends, j'ai changé d'avis. Je vais plutôt prendre les Monsieur Jacques de chez Compostelle. Je préfère. Eh bien, regardez. Ici, le site utilise une nouveauté 26, les pop-up volatiles. Alors, regardez. Marc clique à côté de la pop-up et la pop-up se ferme. Même pas besoin de cliquer sur la croix. Les pop-up volatiles sont des pop-up qui se ferment automatiquement lorsque l'utilisateur clique en dehors. Alors, c'est un comportement standard aujourd'hui. En version 26, vous n'avez pas besoin de le coder. C'est une nouvelle option de la fonction pop-up ouvre. Et d'ailleurs, concernant les pop-up, une autre nouveauté qui va vous faire plaisir, en version 26, vous pouvez enfin partager simplement une pop-up entre plusieurs pages. Plus besoin de faire un modèle, plus de code dupliqué. Bon alors du coup, Manu et Monsieur Jacques de chez Compostelle, t'en veux combien ? Une seule paire. Une seule Mais, paire par contre, prends-moi aussi l'étui et le kit de nettoyage, s'il te plaît. D'accord. Alors ici, on a utilisé une autre nouveauté de la version 26, les interrupteurs en style CSS. Ça permet de faire des interrupteurs encore plus stylés, comme ici. Allez, je clique sur « Ajouter au panier ». Le site me redirige automatiquement sur la page du panier. Alors dans cette page, il y a deux nouveautés qu'on voulait vous montrer. La première, ça a l'air de rien, mais si vous devez la coder, c'est vraiment galère. C'est l'ellipse sur le libellé. Ici, je l'ai activé pour que l'internaute comprenne bien que la description est tronquée. Et pour faire ça, j'ai coché une case dans les 7 onglets. La seconde nouveauté que je voulais vous montrer depuis cette page, c'est l'impression web personnalisée. Ce qui est imprimé est différent de ce qui est affiché. Regardez, je fais imprimer depuis le navigateur et j'arrive sur l'aperçu avant impression. Alors dans cet aperçu, j'ai masqué le bandeau publicitaire, les fonds de couleur ont été enlevés, les menus ont disparu, j'ai également ajouté un QR code pour pouvoir retrouver la commande. En fait, j'ai gardé que ce qui est nécessaire pour l'impression. Mais c'est bien la même page, les mêmes données qui sont affichées. Dans WebDev 26, vous avez maintenant un nouvel agencement qui vous permet de définir précisément ce qui sera imprimé. Allez, pour voir encore d'autres nouveautés, je vais maintenant dans le back-office du site. Alors pour ça, je clique sur le lien Administration. Une pop-up s'ouvre pour me permettre de m'identifier. Et dans cette pop-up, pour protéger le site des attaques de robots, j'ai mis un CAPTCHA Google. Et en version 26, ce CAPTCHA, c'est un champ métier. Vous l'intégrez dans vos sites en un clic. Et vous avez le choix du CAPTCHA, visible comme ici ou complètement invisible. Et en cas de doute sur l'humanité de l'utilisateur, le site affiche automatiquement des défis visuels. Reconnaître les bus, les feux de circulation, etc. C'est l'avantage des champs métiers. C'est des champs complets, prêts à l'emploi, que vous avez juste à intégrer pour bénéficier de fonctionnalités avancées. Allez, je m'identifie. Pour voir encore d'autres nouveautés, je clique sur « Produits ». Alors, la liste des produits est affichée dans un champ « Zone répétée ». Et regardez quand je survole les produits. J'ai un effet au survol. Et quand j'en sélectionne un, ma sélection est matérialisée. Alors, ces effets, ils sont automatiques en version 26. C'est une case à cocher dans la 7 onglet de la zone répétée. Vos UX sont optimisés automatiquement. Une autre nouveauté que vous voyez ici dans cette page, le bouton en bas à droite des cellules de la zone répétée ouvre un menu pop-up. Alors, ce bouton, en fait, c'est un champ métier. Le développeur a juste à ajouter
les options de son choix dans la pop-up et le tour est joué. Justement, les lunettes, là, les Narendra Thames, on les voit pas bien. C'est quand même dommage pour des lunettes. Je vais recadrer l'image pour qu'on voit mieux le produit. Donc, dans le menu contextuel, je clique sur « Changer le visuel ». Une pop-up s'ouvre. Et là, dans le site, le développeur a utilisé le nouveau champ « Éditeur d'image ». L'éditeur d'image pour vos sites web, c'est une nouveauté majeure de WebDev 26. En un clic, vous intégrez un éditeur d'image dans vos sites. Regardez, je commence par retailler l'image. Alors pour ça, c'est facile, je clique sur « Recadrer ». Je choisis « Recadrer ». Des trackers apparaissent sur les côtés de l'image. Je les positionne. Je valide. Et voilà, mon image est recadrée. C'est beaucoup mieux. Alors cet éditeur d'image, il est très riche. L'utilisateur final peut dessiner sur l'image, ajouter des textes, recadrer, redimensionner, modifier la saturation, la luminosité, le contraste. Pour vos utilisateurs, c'est facile, ils éditent directement leurs photos dans votre site. Et pour vous, développeurs, c'est un simple champ à placer dans vos pages, donc rien à coder. Ah puis tiens, j'y pense, ces lunettes, elles sont nouvelles. Je vais leur ajouter un sticker nouveauté dessus. Alors le sticker nouveauté, c'est un fichier. Je clique sur le bouton « plus ». Je choisis « Image depuis le disque ». Alors vous le voyez, on peut aussi importer une image depuis une URL. Je sélectionne le fichier sur mon disque, « Nouveau.png ». Je valide et voilà. L'image a été importée dans un calque. Maintenant, je peux le déplacer, le faire pivoter. Je fais ce que je veux. Et quand j'ai fini mes modifications, je clique sur « Valider ». Et là, je vous rappelle, c'est l'utilisateur du site qui fait ça. L'éditeur d'image pour vos sites web dev, c'est une nouveauté de la version 26 dont vos utilisateurs ne pourront plus se passer. Et pour vous, développeurs, c'est un champ. Avec ces nouveautés de la version 26 de web dev, l'UX de vos sites est plus riche que jamais. Vos sites gagnent en utilisabilité. La version 26, vous allez l'adorer. On poursuit la découverte des nouveautés de la version 26 avec des nouveautés pour vos applications mobiles. Et pour vous les présenter, je vais utiliser ce téléphone. C'est le nouvel iPhone 12 Pro sous iOS 14. Et oui, vos applications qui sont développées avec WinDev Mobile 26 sont compatibles avec iOS 14 ou iPadOS 14 comme on l'appelle sur les iPads. Alors, pour que vous puissiez bien voir, je vais afficher l'écran du téléphone. Voilà, c'est en cours. Très bien. Et avant même de lancer la moindre application, j'ai déjà une nouveauté à vous montrer. Regardez ici sur l'écran d'accueil. J'ai placé un widget. Il est en haut à gauche. Alors, un widget, c'est une petite fenêtre qui se place directement sur l'écran d'accueil et qui affiche des infos qui sont reliées à une application. Alors ici, c'est un widget qui présente le nombre de chantiers en cours et le nombre de devis en attente dans l'application WM Chantier, une application pour la maîtrise d'ouvrage. Alors, les widgets pour vos applications iOS, c'est une nouveauté de la version 26. Et pour vous, c'est super facile à programmer. Le widget, c'est simplement une fenêtre. Mais attends Marc, les widgets pour iOS, ça existait déjà dans les anciennes versions de WinDev Mobile ? Alors oui, mais pas les nouveaux widgets de iOS 14. Avec iOS 14, Apple a imposé un nouveau format de widget. En gros, ceux qui n'ont pas WinDev Mobile, ils doivent juste tout réécrire. Mais vous, vous avez WinDev Mobile. Vous avez juste à recompiler en version 26. Et vos anciens widgets deviennent des nouveaux widgets. Allez, je lance l'application WM Chantier. Alors, cette appli, elle a une sécurité. Au lancement, l'utilisateur doit dessiner un schéma de déverrouillage. Alors, le schéma de déverrouillage, eh bien, c'est un nouveau champ métier de la version 26. Il est dispo en standard pour vos applis mobiles. Vous n'avez rien à coder, il vous suffit de l'ajouter dans vos fenêtres. Je déverrouille l'application. Voilà. Et en haut, l'application affiche une carte avec les chantiers en cours et en bas, les infos sur le chantier sélectionné. Alors cette carte, c'est le nouveau champ carte de la version 26. Comme celui que vous avez vu tout à l'heure sous Windows, le champ carte pour iOS a profondément évolué. La version 26 vous offre les mêmes nouveautés pour vos cartes iOS et Android aussi d'ailleurs. Le regroupement de marqueurs, les dessins, le trafic routier, les thèmes de couleurs, tout y est. Alors vous le savez peut-être, moi je suis champenois. Je vais voir les chantiers proches de Reims. Donc je zoome un peu. Voilà. Et je vais voir ce chantier. Je clique sur le bouton détail. Alors, je vais le refaire pour que vous puissiez bien voir. Vous allez voir, la fenêtre s'ouvre depuis le bas de l'écran. Voilà.
Cet affichage, c'est le mode feuillet de iOS. La fenêtre s'ouvre depuis le bas et ne couvre pas tout l'écran. Et pour vous, c'est un clic dans l'asset onglet. Et les fenêtres en mode feuillet, l'utilisateur il peut les refermer d'un swipe vers le bas. Allez, je réouvre la fenêtre. Alors maintenant, regardez en haut de cette fenêtre. Le libellé qui affiche la commune, ici c'est Épernay. Regardez la taille de la police. Elle est grande, on lit bien. Je change de chantier, je vais aller voir un autre chantier à côté d'Reims. Je vais descendre un petit peu, celui-ci. Je le sélectionne. Et là, le chantier, la ville, c'est Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genest-et-Isson. Si, ça existe vraiment. Hein. C'est dans la Marne et c'est le nom de ville le plus long de France. Mais là aussi, on lit bien, c'est pas tronqué. La taille de la police, elle s'est réduite automatiquement. Ça, c'est automatique en version 26. Les libellés à taille automatique, c'est une nouveauté de confort pour vos utilisateurs. Et pour vous, c'est une case à cocher dans les 7 onglets. Alors, toujours dans l'application, le maître d'œuvre peut créer des clés de chantier. Une clé de chantier, c'est une clé qui permet aux artisans d'accéder à la maison pendant la durée du chantier. Alors une clé, c'est ça. C'est des badges NFC. Ils fonctionnent sur des serrures électroniques. Chaque artisan a son badge et l'accès est révoqué quand son intervention est terminée. Et oui, maintenant, Apple autorise à écrire dans les tags NFC. Donc en version 26, c'est dispo pour vous dans Windev Mobile. Alors regardez, je vais tout en bas de cette fenêtre et j'appuie sur le bouton « Activer une clé de chantier ». Alors la date limite, c'est bon. Je vais choisir l'artisan Marco Polo, très bien. Et maintenant, j'appuie sur le bouton « Écrire sur la puce NFC ». Je pose la puce NFC et voilà. Voilà, la clé électronique est prête. J'ai plus qu'à la donner à Marco Polo. Alors pendant que Jérôme joue au maître d'œuvre et remet la clé au plombier, moi j'ai encore une superbe nouveauté 26 à vous montrer dans cette application. C'est l'OCR pour vos applications mobiles. Ben justement, je suis de retour. Le plombier en a profité pour me remettre son attestation d'assurance. Je vais l'enregistrer de suite directement dans mon application. Donc dans l'application, je vais tout en bas, j'appuie sur le bouton attestation d'assurance. OK, je prends une photo. Voilà. Je valide. L'application analyse la photo, récupère le texte du document. Alors dans ce texte, elle récupère le numéro de la police d'assurance, la date de validité et la compagnie et elle remplit les champs. Alors, extraire un texte d'une image, c'est ce qu'on appelle un OCR. Et l'OCR, en version 26, c'est en standard dans vos applications Windev Mobile. Et aussi d'ailleurs dans Windev et dans WebDev. Alors, l'OCR, c'est une nouveauté formidable. On voulait juste vous mettre l'eau à la bouche. On va revenir en détail dessus juste après dans Windev. Cette appli, Jérôme vous l'a présentée sur un iPhone. Et moi, je vais utiliser la même appli sur Android pour vous présenter quelques nouveautés spécifiques pour Android. Alors, cette application, c'est du Windev Mobile. Donc, pour Android ou iOS, c'est le même code, c'est les mêmes UI, c'est la même base de données, c'est HFSQL. Tout est compatible. Eh bien, c'est parti. Moi, je vais utiliser ce téléphone. C'est un Galaxy S20, un smartphone de chez Samsung sous Android. Donc, j'affiche son écran. Et moi, je coupe le mien. Le voilà. Alors, sur ce téléphone, vous le voyez, moi aussi, j'ai un widget. Je lance l'application. Alors, c'est la même application. Bien sûr, je retrouve aussi le schéma de déverrouillage. Alors, tiens, d'ailleurs, tant qu'on parle de sécurité, il y a une autre nouveauté en version 26 pour la sécurité de vos applications Android. C'est la nouvelle propriété copie écran autorisée. Alors, cette propriété, en fait, elle permet d'autoriser ou d'interdire les copies d'écran d'une fenêtre. C'est sécure. Alors vous le savez peut-être, en Android, il y a maintenant deux tailles d'action bar. 48 pixels, la taille historique, ou 56 pixels, la nouvelle taille. Alors ici, on a utilisé la nouvelle taille. Elle est plus haute, plus aérée, ça donne un look plus moderne à vos applis. Et pour vous, c'est juste un choix dans les 7 onglets. Un nouveau chantier a été ajouté à Vierzon. Qui c'est qui a parlé? Ah, c'est mon téléphone. C'est Libby, c'est l'assistante vocale intégrée dans mon appli. Libby, c'est comme Siri? Ouais, mais c'est un peu plus à l'ouest. Ah. Elle prévient l'utilisateur quand un chantier a été ajouté sur la carte. Mais comment elle sait qu'il y a eu un nouveau chantier? Alors, en fait, ça c'est grâce à la version 26. Les applis Android profitent maintenant de la fonction WLangage H-Surveille. Alors, H-Surveille, je vous rappelle, ça permet à l'application d'être prévenue quand des données sont modifiées. Ici, on surveille la table des chantiers et dès qu'il y a un ajout, ça déclenche la mise à jour de la carte et une notif vocale. Ah, sympa ça! Et on peut choisir la voix? Alors oui, justement, ça c'est une nouveauté de la version 26.
Il y a des nouvelles fonctions pour permettre à l'utilisateur de choisir la voix de la synthèse vocale. Vous l'avez vu, à chaque nouvelle version, WinDev Mobile évolue pour des applications toujours plus riches, des interfaces toujours plus belles, toujours plus intuitives, des applications adaptées aux derniers matériels et aux derniers OS, et bien entendu, en restant compatible avec votre existant. La version 26, vous allez l'adorer. Alors, on a déjà vu de très belles nouveautés. Bien sûr, on va en voir encore plein d'autres. Juste avant, si on parlait des tarifs, eh bien, c'est facile, ils n'ont pas changé. Je vous les rappelle, pour la France, le tarif catalogue pour WinDev ou WebDev ou WinDev Mobile, c'est 1 650 € hors taxes. Et actuellement, vous pouvez bénéficier d'un tarif échange concurrentiel à 990 €. D'ailleurs, ce tarif s'applique également aux créateurs d'entreprises et aux startups. Et lorsque vous vous équipez de la suite complète, actuellement, vous bénéficiez d'un tarif à 1 990 € pour les trois produits. Pour les mises à jour, quand vous possédez déjà une version, le tarif de mise à jour de WinDev 25 vers WinDev 26 est de 690 €. Et sur les mises à jour, vous avez également un tarif spécial avant le 31 décembre, 499 €. Et pour la mise à jour des trois produits, 999 € seulement. Et je vous rappelle également que chaque mise à jour donne droit au support technique gratuit, 15 requêtes par licence. Alors ça, c'était les tarifs pour la France. Vous retrouvez les tarifs et toutes les offres pour votre pays sur le site de votre distributeur. Et vous retrouvez la liste des distributeurs sur le site pcsoft.fr. On continue avec un point central de vos applications, la base de données. Alors vous le savez, WinDev, WebDev et WinDev Mobile fonctionnent avec toutes les bases de données du marché, relationnelles et Big Data. Que ce soit HFSQL, Oracle, SQL Server, AS400, MySQL, MariaDB, Informix, Sybase, Progress, DB2, PostgreSQL, SQL Azure, toutes les bases de données du marché. Et d'ailleurs, en version 26, le connecteur natif à SQL Server est maintenant aussi disponible pour Linux. Ça, c'est très pratique pour vos sites qui sont déployés dans Docker. WinDev est également compatible avec les bases Big Data, comme Hadoop, HBase et Hive, React, Redis, Memcache, MongoDB. Et d'ailleurs, l'accès natif MongoDB évolue encore en version 26 pour vous permettre d'accéder au système de fichiers de MongoDB. Et vous le savez tous, WinDev, WebDev et WinDev Mobile vous proposent en standard HFSQL. HFSQL, c'est un moteur de base de données robuste et performant. HFSQL, des dizaines de millions de clients, vos clients, l'utilisent sous Windows, sous Linux, macOS, Windows CE, Android et iOS. Pour vos applications desktop, serveurs, mobiles et vos sites web. Et HFSQL, c'est le seul moteur de base de données au monde disponible sur toutes les plateformes. Ça veut dire que quand vous écrivez une application qui repose sur HFSQL, votre application et sa base de données sont universelles. Et oui, ça c'est un autre point unique de HFSQL, c'est que quel que soit le système d'exploitation, quel que soit le matériel, les tables de données et les index sont binairement identiques. HFSQL est disponible en version locale, en version réseau, en client-serveur, en embarqué, en cluster et dans le cloud, notamment avec PCS Cloud et HFSQL Drive. Vous êtes 87% à utiliser HFSQL dans vos applications. Et parmi ces 87%, vous êtes 51% à utiliser HFSQL et une ou plusieurs autres bases de données. Et un autre point extraordinaire de HFSQL, c'est que vous pouvez déployer vos bases de données librement, sans redevance, quel que soit le nombre de postes clients, quel que soit le nombre de serveurs. Alors tout à l'heure, on a déjà parlé d'une très belle nouveauté, c'est les requêtes asynchrones. En version 26, les requêtes HFSQL peuvent être exécutées sans bloquer l'utilisateur, en asynchrone. Alors qu'est-ce que ça veut dire sans bloquer l'utilisateur ? Eh bien, pendant que la requête s'exécute, l'utilisateur, il n'est pas le nez devant un sablier. Il peut continuer à utiliser son appli. Alors, comment ça se passe au niveau du code ? C'est super facile, c'est une fonction. C'est la nouvelle fonction WLangage, hexécute-requête asynchrone. Alors, cette nouvelle fonction, elle marche pareil que hexécute-requête, mais elle prend en plus deux paramètres, deux callbacks. La première callback, elle est appelée au fur et à mesure qu'il y a des résultats. La seconde callback est appelée quand le parcours est terminé. Allez, on va maintenant parler des triggers. Alors, un trigger, je vous rappelle, ça permet d'exécuter automatiquement une procédure lors d'une opération sur la base de données, ajout, modification ou suppression, avant ou après. En version 26, lors du déclenchement d'un trigger après, vous pouvez maintenant consulter les valeurs de l'enregistrement avant la modification. Ça se fait avec la nouvelle fonction htrigger enregistrement avant. Autre nouveauté de HFSQL en version 26, vous connaissez tous l'optimisation des requêtes du serveur HFSQL.
Vous savez, hein, tous les mois, le serveur HFSQL analyse les requêtes qui ont été exécutées sur le serveur pour savoir si, certains index pourraient optimiser la vitesse d'exécution de ces requêtes. En version 26, vous pouvez maintenant déclencher cette recherche d'optimisation par programmation sur une requête précise. Vous avez une requête que vous souhaitez accélérer sur un serveur donné, mais en version 26, vous pouvez rechercher quels index ajouter pour optimiser cette requête sur ce serveur avec ces données. Alors pour faire cette recherche d'optimisation, c'est facile. Vous avez deux nouvelles fonctions WLangage. H suggère clé début pour lancer l'analyse. H suggère clé fin pour récupérer les résultats. En version 26, vous pouvez lancer l'optimisation quand vous voulez sur la requête que vous voulez. Autre nouveauté de HFSQL en version 26, c'est la nouvelle fonction WLangage H transaction en cours. Elle permet de savoir, comme son nom l'indique, si une transaction est déjà en cours. En version 26, vous pouvez facilement vérifier si une transaction est déjà en cours pour éviter les erreurs. Votre code est plus fiable. Autre nouveauté HFSQL en version 26, la propriété RGPD d'une rubrique est maintenant lisible par programmation. Alors ça vous permet par exemple de mettre en évidence les champs reliés à des rubriques RGPD ou encore de faire un traitement générique pour anonymiser des tables. Une nouveauté pour vos sauvegardes de base HFSQL en version 26, en cas d'erreur de sauvegarde, la webhook reçoit maintenant le texte détaillé de l'erreur. En version 26, la réplication SPARE évolue et supporte maintenant les tables à sécurité renforcée. En version 26, l'éditeur de réplication a été simplifié et son UI est maintenant plus intuitive et plus simple à comprendre. L'éditeur de code SQL évolue aussi en version 26. Lorsque vous sélectionnez un élément dans le code SQL, tous les éléments identiques sont automatiquement mis en évidence. Le centre de contrôle HFSQL évolue lui aussi en version 26. L'affichage des colonnes d'une table peut s'effectuer soit par ordre alphabétique, soit par ordre logique. Le centre de contrôle HFSQL peut mémoriser automatiquement les volets ouverts, les tables, les requêtes. Comme ça, au prochain lancement, vous retrouvez tous vos éléments. Toujours dans le centre de contrôle, en version 26, il est maintenant possible d'effectuer une recherche dans la liste des réplications. Les rubriques de type RGPD sont maintenant clairement identifiées dans le centre de contrôle. Et en version 26, la purge des journaux peut maintenant s'effectuer directement depuis le centre de contrôle HFSQL. HFSQL, c'est une base de données non seulement robuste et sécurisée, mais également extrêmement performante, au service de vos applications et de vos utilisateurs, de vos clients. Et ne l'oubliez pas, la redistribution de HFSQL avec vos sites et vos applications, c'est zéro licence à gérer et 0 € à payer. HFSQL, c'est votre base de données. La version 26 vous permet d'offrir des fonctionnalités natives d'OCR dans vos applications desktop, dans vos sites et dans vos applis mobiles. Je vous rappelle, OCR, ça signifie Optical Character Recognition, ou en français, reconnaissance optique de caractère. Le moteur d'OCR, en fait, c'est un réseau de neurones. Allez, regardons ce que ça donne dans WinDev. Alors, j'ai ici une application de GED qui traite des documents. Quand il affiche un document scanné ou une photo de document, l'utilisateur de l'appli peut en plus lancer l'analyse du document pour récupérer le texte. Donc ça permet par exemple d'indexer les mots du texte pour faciliter les recherches. L'utilisateur, il peut aussi sélectionner une partie de l'image pour analyser uniquement cette partie. Allez, revenons dans WinDev et je vous montre comment mettre en place l'OCR de la version 26 dans vos applications. Vous allez voir, c'est super facile. On regarde le code du bouton « Analyser ». Il suffit d'utiliser la nouvelle fonction WLangage OCR extrait texte. Cette fonction, elle analyse le document, ça peut être une image ou un document PDF. Et si vous souhaitez analyser uniquement une partie d'une image, comme on l'a fait dans l'exemple tout à l'heure, il suffit de fournir en paramètre le rectangle de sélection. Et ça marche dans toutes les langues. Il suffit de paramétrer la langue avec la nouvelle fonction WLangage OCR charge langue. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas trop dur. Et ensuite, Benny ? Et ensuite ? Mais il n'y a pas d'ensuite, Jérôme, c'est fini, c'est tout. La fonction, elle renvoie le texte et ensuite t'en fais ce que tu veux. Attends, t'es en train de me dire qu'avec une ligne de code, j'ai un OCR dans mes applis ? Eh ben oui, c'est exactement ça, une ligne, une seule ligne. Ok, ok, une ligne. Et je dois installer quoi en plus ? Installer quoi en plus ? Ah, oui. Ah mais rien, rien du tout. Vous n'avez rien à installer, rien à configurer et vous intégrez un OCR dans vos applications. Ah ouais ? Merci la 26.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, cet OCR il est disponible pour vos applications, pour vos sites et pour vos applications mobiles en version 26. Cet OCR, vous l'attendiez. Eh bien, la version 26 vous l'apporte pour vos applications Windows, vos applications web et vos applis mobiles. Rien à installer, rien à configurer, aucune redevance à payer. Merci la 26. Eh bien voilà, cette première keynote se termine. On se dit à demain, 14h, heure de Paris, pour la suite des nouveautés. Demain, on parlera du MDM, votre store privé, du DMP, le dossier médical partagé, de TypeScript, du nouveau champ de saisie email en HTML et de plein d'autres sujets. Merci à tous et à demain. Merci à tous, bon après-midi et à demain. Merci de nous avoir suivis. Alors juste avant de vous quitter, je voulais vous présenter une courte vidéo sur une très belle appli réalisée en webdev. C'est l'ERP du leader européen de l'échafaudage, la société Layer. Ils ont développé leur ERP en webdev. Regardez cette vidéo, c'est un témoignage vraiment intéressant. Merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à demain. La société Layer est un groupe familial créé il y a plus de 75 ans, qui est aujourd'hui le leader européen de l'échafaudage. Donc le centre de fabrication de nos échafaudages se situe en Allemagne et l'on fabrique chaque année environ 200 000 tonnes de matériel qui va être diffusé au travers des 50 filiales que l'on a dans le monde entier. La filiale la plus importante est Layer France. Et au sein de Layer France, nous faisons aussi de la location de matériel, de la vente et de l'ingénierie. À ce titre, nous avons besoin d'outils informatiques assez puissants, car nous avons un parc logistique de 40 000 tonnes à gérer. Nous avons développé beaucoup de logiciels maison grâce à WinDev. Et en 2019, nous avons décidé de refondre complètement notre ERP maison. Et aujourd'hui, en 2020, nous avons déployé cette nouvelle suite ERP, développée grâce à l'outil WebDev, et qui nous permet non seulement de retranscrire l'existant, mais surtout de prendre un temps d'avance sur les 10 prochaines années avec des outils d'amélioration, de prédiction sur les sorties de matériel et d'amélioration de temps de travail par rapport aux équipes. Alors les produits Layer se retrouvent dans de nombreux secteurs d'activité. Celui qui est le plus visible, c'est le monument historique, où nous intervenons sur des chantiers comme le Palais de Justice à Paris ou l'église de la Trinité, la Tour Hassan au Maroc, Big Ben à Londres. Nous retrouvons également les mêmes produits en industrie, où nous intervenons sur les centrales nucléaires, sur les raffineries et sur tout type d'usines. On les retrouve également en plateforme offshore, notamment en Afrique de l'Ouest. Et puis ces produits-là se retrouvent en aéronautique, lorsque l'on fait des plateformes pour monter, par exemple, la 380, la 350, et dans de nombreux corps d'activité, comme l'événementiel, le second œuvre du bâtiment, avec les maçons, les couvreurs, les artisans ravaleurs. Alors, Layer est reconnu dans le monde entier et par ses utilisateurs comme l'entreprise qui a su révolutionner le monde de l'échafaudage. Et pour accompagner notre développement, on a besoin de se faire accompagner par des partenaires innovants, comme PCSoft, avec ses outils WinDev et WebDev, qui nous accompagnent depuis plus de 20 ans et qui continueront à nous accompagner pendant de nombreuses années. Nous avons déjà développé en WinDev la toute dernière version de notre logiciel WinDeck 3D à destination de nos clients. C'est un logiciel dédié au métier de l'échafaudage qui permet de construire en 3D tous les types d'échafaudage, de les visualiser, d'en obtenir les plans et la liste de matériel. Mais le logiciel permet également de gérer ses stocks, la sécurité sur ses chantiers et bien plus encore. Il y a 2 ans, nous avons pris le pari de développer entièrement notre propre ERP sous WebDev en moins de 18 mois. C'est un projet d'environ 2500 jours hommes, développé en mode agile, en full WebDev, avec un accès natif à une base MySQL. Pari tenu, nous sommes dorénavant en production depuis plus de 6 mois, donc une gestion des clients et des affaires, une gestion de stock en temps réel sur l'ensemble de nos agences,
Une gestion de notre parc d'échafaudage en location chez nos clients, c'est le plus important en France, on parle de 40 000 tonnes d'échafaudage. Le système complet de facturation a été redéveloppé en trois parties, les ventes France et export, les facturations location mensuelles de tous les mouvements quotidiens de matériel et enfin les facturations à l'avancement de nos marchés publics et privés. La gestion de notre activité spécifique à l'Île-de-France, comme le montage des échafaudages, les livraisons sur les chantiers de nos clients et donc l'émission de toutes les commandes fournisseurs. Plusieurs modules statistiques ont été intégrés dans des widgets sur des tableaux de bord sous forme de graphes et de listes. Enfin, la préparation de toutes nos commandes de clients est réalisée grâce à une application Windev Mobile sur des tablettes Android qui communique avec le RP via des web services. Nous utilisons des imprimantes étiquettes Zebra, des lecteurs laser QR code. L'accueil de nos clients et de leurs chauffeurs chez l'IR est géré également. Nous prenons par exemple des photos du chargement des camions à leur arrivée sur des tablettes. À son départ, on affiche les documents du client et on enregistre sa signature manuscrite sur un écran tactile. Nous avons intégré dans l'auto-RP un business process management et donc des accords dématérialisés pour valider l'enchaînement de nos process par les responsables métiers. Nous avons pu mettre en place un système d'archivage électronique, donc un SAE, répondant à la norme NFZ 4213, basé sur des documents signés numériquement, cryptés et dont l'intégrité est garantie sur le principe du blockchain. Grâce aux suites, aux outils Windev et WebDev aujourd'hui, on a réduit énormément les temps de connexion et ce qui nous permet de gagner beaucoup en réactivité pour nos équipes. D'un point de vue technique, nous avons développé notre ERP entièrement en programmation objet avec un ensemble de classes métiers. C'est une des facilités du W langage. Avec le gestionnaire de source de PCsoft et ses branches, nous avons pu déployer des versions successives de notre ERP sur des serveurs de développement, puis des serveurs de test et après la validation d'utilisateur sur des serveurs de production. Avec ce projet, nous avons grandement exploré toutes les possibilités du W langage. Les utilisateurs sont connectés à leur compte Gmail grâce à l'authentification OAuth2. Nos ponts bascules dialoguent avec le RP grâce au socket. Nous échangeons avec des logiciels tiers via des API. Grâce aux outils PCsoft et notamment WebDev, nous avons pu réaliser avec succès notre ERP, l'enrichir de fonctionnalités inédites en un temps record. C'est une belle réussite pour l'IR. Encore merci à WebDev. Alors aujourd'hui, nous sommes très confiants dans l'avenir. Nous développons de nombreuses innovations encore pour le confort de nos utilisateurs et la rentabilité de leur chantier. Et pour cela, nous sommes accompagnés par PCsoft avec des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus réactifs et beaucoup plus proactifs envers nos clients.